Thomas Gigleux, j'ai 40 ans, je travaille chez CERAP, qui est une filiale Altradendel, spécialisée en prévention des risques. Je suis chez CERAP depuis environ 16 ans et actuellement je suis responsable des activités de notre filiale suisse. Alors je pratique le triathlon depuis environ 10 ans. J'ai commencé par des petites distances et puis petit à petit je suis allé sur des longs formats qu'on appelle Ironman. Les Ironman, donc c'est un enchaînement de trois disciplines. La natation avec 3,8 km, le vélo avec 180 km et on enchaîne ensuite avec la course à pied, un marathon de 42 km. Alors depuis le Covid, effectivement, je m'entraîne un petit peu plus à domicile, à la maison. Je me suis aménagé une petite pièce qui me permet de m'entraîner sur un rameur, sur un home trainer et puis sur un tapis de course. Le triathlon m'apporte pas mal de choses, hein, de la confiance en soi et de l'humilité. Alors de la confiance en soi parce que comme dans tout sport qu'on pratique, hein, il faut quand même avoir un esprit un petit peu compétiteur. Et puis le jour de la course, pendant 12 heures, on va quand même aller puiser dans ses retranchements. Le triathlon me permet aussi de voyager, c'est un aspect plutôt sympa. Côté Ironman, c'est un label, hein. Mais moi j'ai décidé de faire mes Ironman au niveau de l'Europe. Donc voilà, je voyage un petit peu, j'ai fait Nice en France, j'ai fait Zurich en Suisse, je suis parti à Majorque en Espagne et puis l'année dernière j'étais à Francfort en Allemagne. Pour 2023, ce qui est prévu, deux Ironman, Klagenfurt en Autriche et puis Cascais au Portugal.